Voilà, de retour après une panne. Non, plus sincèrement, j'étais parti pour régler le volume du jeu et écran noir sur mes deux écrans. Je sais pas si vous m'avez entendu, donc le temps de relancer le PC et tout le bazar, ça a pris un peu de temps, tout à fait désolé. J'espère que vous êtes encore partiellement là et que vous n'avez pas fui. On va reprendre donc où nous en étions. J'étais en train d'expliquer que il fallait que j'aille, si je me souviens bien, du générateur jusqu'à l'élévateur. Et qu'entre le générateur et l'élévateur, il y a Martha avec sa pioche. Et que c'est là toute la difficulté de ce qui nous attend dans l'immédiat, dans le jeu. Voilà. J'espère que le live fonctionne et que vous m'entendez correctement. Et que... Yes, c'est bon, je crois que c'est reparti. Tout à fait désolé, toutes mes excuses. C'était pas indépendant de ma volonté, mais pratiquement. J'attends un petit peu avant de lancer le jeu. Donc je rappelle que je joue à la manette cette fois-ci, déjà la fois précédente, et que j'ai trouvé ça finalement assez agréable. Étant d'abord, moi, enfin plutôt un joueur console, je passe énormément de temps sur l'ordi, plutôt pour travailler, on va dire pour créer. Mais quand je joue, généralement, c'est plutôt manette en main, très peu sur l'ordi, qui est plus, pour moi plus un outil de travail au final, généralement. Que... Donc c'est très bien d'avoir pris une manette. Ah, j'aurais bien aimé réduire un petit peu... Est-ce que je peux le faire là? Non, je vais toucher à rien, je reste comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, j'ai voulu quitter Outlast pour régler les paramètres sonores, et en fait ça a fait planter totalement mon ordi, j'avais deux écrans noirs. Ça ne voulait pas revenir sur le jeu. Allez, c'est parti! On relance le jeu. Dans le pays d'un roi usurpateur appelé Lynch, à sa naissance, qui a connu la guerre, mais n'a pas combattu, qui scella dans la pierre les corruptions de celui qui l'a précédé. Alors s'il m'autorise, voilà, je voudrais juste... réduire un peu le chat qui m'éclaire beaucoup, et là j'avoue que j'ai trop de lumière dans les yeux. Comme ça, ce sera très bien. Donc, on avait une pile juste là. Je la prends. Le générateur est ici. Je fais juste le point sur mon équipement. Que je me rappelle. L'ascenseur. Il devrait me mener donc, à la chapelle. Pile. Ouais, voilà. Je vais jusqu'à l'ascenseur. Pile, il m'en reste deux. Des bandages, j'en ai trois. Parce qu'on peut se bander. Et là, il faut que je me fasse attention à cette dame. Qui récite des cantiques et qui va à mon avis et qui se jette sur moi dès que je passe derrière elle. Je dois te parler dans le plus grand secret car tu t'y connais. Nanana, ok. Elle était où cette dame? Elle est juste là. Alors l'idée c'est de... Parce qu'elle a un couteau. Regardez. Si je passe trop près, elle va me taper, donc je vais sauter là. Aïe. Donc là, il va falloir trouver un chemin. Ah là là, je suis déjà en flip. Je sais ce qui m'attend. J'avoue que le jeu, d'un point de vue sonore, est... Il y a des gens qui courent. Aïe, ouais, peut-être que je fasse attention là en sautant. Le jeu est complètement flippant. D'un point de vue audio, c'est juste. Non, pour me baisser, c'est comment déjà? Ok. Enfin, me baisser pour ramper. Je vais essayer de prendre un maximum de chemin de traverse. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'entendre marcher à droite, à gauche. Merci Fonzi, salut Gus, bon courage pour le live, pour ton CDF, mets-le en non répertorié sur YouTube et mets le lien sur ton site, comme ça tout le monde pourra le voir, sans qu'elle soit visible de tous. Au passage, ce CDF était superbe. Merci Fonzi. Est-ce que je peux longer là? Non. Oh là là là. J'aimerais... C'est là qu'elle va arriver, c'est là qu'elle arrive. Elle arrive!
Elle arrive par où? Elle arrive là. Allez, cours. Cours, 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 te laisse pas faire. Elle peut pas te rattraper, elle peut pas te rattraper, elle peut pas te rattraper. Ah, t'es plus rapide, c'est par là, j'en sais rien, je sais plus. Cours, cours, cours. Le levier. Allez, vite, yes. Oh, bordel. Oh, bordel. Ouais, tu seras vorace, bien sûr. Ah, oh, je suis mal. Ah. Et je rappelle que j'ai la vibration. Ça, c'est un... C'est un détail, mais la vibration dans la manette, ça change tout. Ça me met dans un état, enfin ça, ça donne une dimension supplémentaire. C'est-à-dire que le jeu, ah c'est énorme. Le jeu t'atteint physiquement, donc c'est juste énorme. La petite dimension physique. Ah, ça filme. Ça filme quoi? Meganhunt, merci. Ouh, désolé, j'ai pas pu résister à te faire peur. Ça m'a pas fait peur là dans l'immédiat parce que je sors d'une grande peur, mais c'est très gentil. Bien tenté. Bien tenté, merci en tout cas. Alors j'étais en train de filmer quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'était. On a réussi à passer. J'avoue que j'ai beaucoup réfléchi depuis la dernière fois. Et je m'étais dit, il faut absolument que j'ai deux passages. Si elle arrive à droite, je pars à gauche. Si elle arrive à gauche, je pars à droite. Et je rush jusqu'à l'ascenseur. Je pensais pas que ça allait marcher. Parce que dans mon souvenir, elle court largement plus vite que moi. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai. C'est ça que je filme. On dirait une pierre tombale. Non, c'est une, c'est un panneau. Jeudi Belle. Un petit don pour te faire plaisir et pour te soutenir de la part de la ch'tite Jeudi avec un grand B. Je te soutiens de tout cœur, Gus, tu le mérites. Je t'envoie des pensées tendres et positives pour te redonner le moral. De gros bisous. Merci beaucoup de Jeudi. Ça, enfin tes mots effectivement et le don que tu viens de faire me font très plaisir, c'est très gentil. J'ai l'impression que je peux me dire. Alors merci pour toutes les vidéos que l'on regarde en famille le dimanche. On te suit depuis le début, on espère pouvoir continuer de te regarder jouer et CDF encore un moment. Merci beaucoup Yenzo. Bah, tu salueras toute ta petite famille de ma part. Oh là là, c'est marrant ce que je vois là parce que ça me rappelle quelque chose que vous n'avez pas encore vu, que vous verrez sans doute dans le prochain Capture Dead Forms, si ça se passe comme je l'entends. Donc là c'est d'où j'arrive. Là, je me reconcentre sur le jeu. Un peu là, je regarde parce que j'essaie de comprendre ce qui pourrait m'arriver. Je cherche même pas tant à savoir où je dois aller, mais principalement à savoir ce qui pourrait me tomber dessus. Je vais essayer de pas trop traîner et de pas trop user ma. Jessica. Oh, j'ai perdu la boule. Donc apparemment. J'entends une voix, j'aimerais savoir d'où elle vient exactement. Ça, c'est des mouches. Ça vient de l'intérieur de la maison, je pense. Ah non, regardez. Petite bouche. Oh non, ça vient de ces haut-parleurs postés là. C'est une comptine très glauque, chantée par a priori ma femme. J'ai l'impression que c'est ça. Allez. Oh là là. Tout le monde a un peu. J'ai l'impression. Alors je sais pas si les gens ont été immolés ou s'ils se sont immolés eux-mêmes. Ouvrir cette fenêtre. Non. A priori, je ne peux pas entrer là. On va voir si je peux entrer là. Un puits juste ici. Je vais quand même m'en approcher. Ah ! Oh, c'est quoi ce délire ? Je viens de vivre un choc terrible. Il faut que je vous explique ça.
petite pause. Oh! Oh là là, au-delà du fait que là je viens de flipper, mais comme rarement, j'approchais du puits en me rappelant une histoire que me racontait mon grand-père. Je me la surmémore en approchant du puits, j'allais peut-être même vous la raconter, et je vais le faire maintenant. Parce que ce qui vient de se produire, c'est presque exactement, c'est tellement l'histoire de mon grand-père. J'étais, on est d'accord, j'ai été tiré au fond du puits. Mon grand-père, qui est décédé, paix à son âme, enfin qui est décédé il y a quelques années, me racontait une histoire. Parce qu'en fait, la maison où ils habitaient, il y avait un puits. Et il nous racontait l'histoire de la tire vieille. En fait, c'est que quand on s'approchait du puits, enfin, il y a des monstres. Enfin, il nous raconte une histoire de la tire vieille. Je suis un peu troublé là. La tire vieille est un monstre. Parce que c'est exactement comme ça que je me l'imaginais. La tire est un monstre qui vit dans les puits, c'est ce qu'ils nous racontaient, et qui attrape les personnes qui se penchent au-dessus du puits. Souvent les vieilles dames. D'où le nom de tire vieille. Et je me le suis toujours imaginé tel qu'on vient de le voir là. Truc de dingue, l'espèce de tentacule et des langues, c'est fou. Et là j'ai complètement flippé parce que j'étais en train de me rappeler l'histoire en voyant le puits et j'allais vous la raconter. Et tout d'un coup, je suis attiré au fond. C'est un truc de malade. Je reprends. Oh putain. Alors, a priori, je suis pas au fond d'un puits, puisqu'en face de moi, il y a une... Alors, je vais remettre une pile. En fait, je peux pas me retourner. Je suis au fond de cette conduite et je peux pas me retourner. Peut-être parce qu'elle est trop étroite. Je ne peux que ramper et avancer vers le ventilateur. Et je vais faire quoi au bout, là? S'il te plaît, Blake. Quoi? Là. Ne me laisse pas. Oh putain, j'arrive. J'ai peur. Mais un peu, moi aussi. Quand même. Ah, vous imaginez ramper avec les boulons là? Ah! Putain! Je t'en supplie. Ah, mais j'ai la vibration en plus qui est violente avec la manette, ça fait vraiment flipper. Ça me met dans un état vraiment particulier. C'est horrible. Là, je vous jure, je suis mal. J'espère que ça va, vous. Moi, je suis pas bien. Oh, c'est juste énorme. Ce qu'on nous fait vivre est juste énorme. Alors, je suis à nouveau au collège. Dans cette salle de classe. Ah, oh, j'aime pas quand ça fait ça. J'ai quand même vérifié que la porte là-bas... Non, elle s'ouvre pas. Ouh, allez, allez, on y croit. Je suis capable d'avancer dans ce cauchemar. Alors, c'est très sombre, là. Oh, ils vont nous refaire le coup du couloir. J'en peux plus des couloirs. C'est quoi ce délire? Je crois que je suis pas seul. Oh. Ah, ça a bien marché. Merci Meganhunt. Je suis d'humeur taquine ce soir. Mais, bravo. T'as bien réussi ton coup. Là, j'avoue que vous pourriez envoyer des notifications à tout moment, je serais mal. J'entends le tic-tac d'une horloge. C'est juste ça, c'est flippant. Je sais pas si vous l'entendez.
J'éteins pour essayer de préserver un peu mes piles, mes batteries. Mais c'est juste intenable de faire ça. On va se le tenter. On est d'accord, je n'allume pas. Sauf si vraiment j'avance plus. Mais là, je vois qu'il y a un petit brin de lumière. Je n'allume pas, sauf cas très particulier. On va essayer de pas trop consommer de piles, inutilement. Bruit, là, il y a du bruit, hein. J'avance en rampant. Je vais me relever quand même. Ça ne s'ouvre pas. Attendez, je regarde juste où je dois aller. On avance dans le noir, hein. Ah, la vache. Ah! Alors, j'imagine que le bruit qu'on vient d'entendre, c'est le casier qui vient de s'ouvrir. J'avance. Il y a une pile en face. Ah, une boîte à musique. C'est à Jessica. Oh putain, Jésus, tu m'as fait peur. Jésus. Bouh. Merci beaucoup, Jésus. J'ai les mains dans un état. C'était la boîte à musique de Jessica. Je vais récupérer la pile. Oh, merci Narianne. Narlan. Je dois aller par où maintenant? Ça s'ouvre ça? Non. Oh, rire glauque. Le directeur est de retour. On va avancer, hein. Dans le noir, toujours. J'essaye de préserver ma pile. J'avance, il y a une interférence. je suis contre une porte. Ok, je vais où là? Pourquoi je me cacherais? J'ai dû rater quelque chose. Bender, merci beaucoup pour le CDF2 et son injustice et pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est adorable, vraiment. Je peux pas ouvrir, je dois aller où? Faudrait que je me cache? Allez, je me cache. On sait jamais, ça va peut-être donner quelque chose. Dois-je revenir sur mes pas? Faut que je boive de l'eau, là, je suis asséché. Le jeu m'a asséché. Tados 59, comme j'ai eu le temps de voir ton épisode sur YouTube et que je suis dégoûté de ce que t'as fait YouTube, je souhaite te faire ce don de valeur d'une location parce que ton travail est extraordinaire au passage. Ne mérite pas une telle dévalorisation. Merci beaucoup, Tados. C'est adorable aussi. J'ai dû rater quelque chose. Est-ce que vous avez vu ça? Oh, est-ce que vous avez vu ça? J'ai entendu un bruit de porte. Et là, je suis sûr, à peu près sûr, d'avoir vu. Je viens de voir passer quelqu'un ou quelque chose dans la pièce là-bas. J'allais dire une ombre, mais une silhouette. Alors, est-ce qu'il a ouvert une porte? Mais où? Faut que je remette une pile, c'est pas possible. Impossible de... J'ai fait tout ce trajet pour rien. Blake! Hein? Jessica. Mais elle est où? Là. Non, c'est d'où j'arrive. Jessica. Mais où elle est? Je l'ai entendue. Elle m'a appelé. Là. Ah putain, là-bas. Vite. Oh Seigneur. Oh putain. Jess. Oh la langue. Merde.
Ah, la créature, la tire-vieille. Oh, c'est glauque. Et ça, YouTube, ils vont l'accepter. Est-ce que je peux sauter là-dessus? Non. Oh ah. Père de la bête. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait ça? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Je vais te saigner dans la cour. Oh non, je me retrouve à nouveau enfermé. Il me suit. Ouvre ça, ouvre ça, ouvre. Allez, cours. Cours, tu t'en fous, tu cours. Allez. Ah. Je m'attendais tellement pas à devoir réagir. Pardon, Captain Gugus, merci beaucoup. Jusqu'ici, tout va bien, merci. Allez, ouvre-moi ça. Referme-le. Allez, ferme. Hop. Et maintenant, tu te barres dans la maison. Te plante pas. Te plante pas, te plante pas. Je m'attendais tellement pas à devoir rusher. Elle, ouvre-toi. Non, ça s'ouvre pas. Putain, il arrive, l'enfoiré. Il est là, il est là. Là. Allez. Pense-toi, baisse-toi, baisse-toi. Je suis désolé, je suis à fond. Hein. Il va me suivre ou pas? Il me suit, l'enculé. Pardon, excuse-moi, je suis grossier. Je suis grossier, le salopard. Non, enfin, le... Il me suit. Dépêche-toi. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Ah, oh, il y en a un devant. Consomption. C'est pas possible. Pars par là, pars par là, pars par là. Pars par là. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi... Vous verriez mes jambes. Je les agite dans... Pourquoi est-ce que je dois partir comme ça? Enfin, pourquoi ça part en sucette d'un coup? On était dans quelque chose de presque calme. Des ailes et des ça commence à... Inséparable même de vue. Allez, j'y vais. Excusez-moi les gars, non, lâchez-moi. Je peux interagir, je peux interagir, je peux interagir. Ah, les enfoirés, allez. Oh putain. Pardon, je suis très grossier, j'en suis désolé, mais dans... Ma femme me le dit souvent, il faudrait que je réussisse à me contenir un petit peu. Mais dans ces moments-là, c'est chaud. Ah merde, j'avais pas vu. Oh, je l'avais pas vu au premier, première fois. Ah, c'est chaud. Encore un passage d'une violence rare. Non, mais non, mais non, mais pourquoi il... Ah, c'est bon, non, c'est pas bon. Je crois qu'il m'a planté le couteau dans la tête. Pourquoi j'ai pu passer la première fois et pas là? C'est chaud. Elle, ouvre-toi. Non, ça sert à rien. Ferme pas la porte, tu t'en fous. Ça changera rien, il va l'ouvrir. Tu fonces là. Tu passes là. Là, il y a la porte. Voilà, tu l'ouvres, tu fais le tour. Tu te jettes dans le trou. Et là, tu rampes. Allez. Là, tu rampes. Dépêche-toi. C'est bon, t'as un peu d'avance. Je suis pas bien, je vous jure, je suis pas bien. Une parfaite consomption. Une parfaite consomption, une parfaite consomption. Mais ça veut dire quoi? Je suis obligé de rester avec le night shot, c'est pas possible. Ah, mais dehors, c'est juste la folie. Donc je sais que je dois pas partir tout droit. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je dois me rendre. Tout droit. Ferme, ferme, j'ai dit. Et maintenant? Maintenant, maintenant, là. Allez, pousse-moi ça. Voilà, t'es passé. Et là, et là, et là, et là maintenant. Ils vont pouvoir passer, évidemment. Cours bien la chair et assaisonne-la. Ok. Ok. Derrière la porte, il y a quelqu'un. Je dois passer où? Je dois aller où? Merde, il a ouvert. Fais chier.
Il arrive. Là-haut. Allez, saute! Tu peux pas. Je m'excuse, je panique, hein, je dois faire n'importe quoi. Je peux pas me glisser sous le lit. Il va me voir. Évidemment qu'il va me voir. Je suis deg. Faut qu'il se barre. Il s'en va. Ah, j'ai gaspillé inutilement ma torche. Oh la vache. Il revient. Sa pourriture doit être rejetée. Il m'a vu, enfoiré. Casse-toi. Allez, cours. Des ailes et des machins. Ah. Inséparables même. Allez, ouvre-moi ça. Ouvre cette porte, bordel. Oh, fais chier. Ah, les grossièretés, ah, la violence, mais elles sont à la hauteur du jeu. Franchement, c'est chaud. Je reprends où? Et là, il va chercher à ouvrir la porte. Donc... Ah! Merde, j'ai pas eu le temps de me cacher. Ah, il est là! La chair est assaisonnée. Oui, c'est bon, on va l'assaisonner, on verra ça plus tard. Il y en a un autre! Et là, je pouvais pas ouvrir, je crois. Non, il y a un truc qui cloche. Faut que je gère ça autrement. Je sais pas si en rushant c'est possible. Je suis pas sûr. Baisse-toi. Je me cache comme tout à l'heure. Faut aller sous le lit. J'arrive pas à me glisser sous le lit. J'ai essayé tout à l'heure. Oh là là, il revient. L'œil fendu. Son lance de couteau. Aposta. J'ose plus bouger. Malheur à la vie. Ah putain, il m'a vu. Enfoiré. Bon, je retente en courant, hein, tant pis. J'essaierai de me cacher sous un lit plus tard. Ah, c'est encore l'autre fou. Non mais non, c'est le taré avec son couteau et sa cagoule. Comment faire? On va essayer de se cacher. Sous un lit, là. Ouais. On va le laisser passer, j'irai après. Oh, je suis pas convaincu. Là, dans ces moments-là, t'as toujours peur qu'il y ait les pieds qui dépassent. Chacun d'entre eux. Tellement peur que mes pieds dépassent. Je suis où? Est-ce que je peux fermer ça? Oui. Je veux le fermer absolument. Je verrouille. Écoutez, on est dans cette pièce. Je sais pas si c'est le bon endroit. Bon, déjà, on a une pile. Je suis pas sûr que ce soit le bon endroit. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ouverture. On peut se cacher. Merde. Je me suis piégé là plus qu'autre chose. Je me suis piégé dans cette pièce. On va ouvrir. Non, je reverrouille. Je veux déverrouiller, je vais ouvrir la porte. Oh putain! Cache-toi! Il m'a trouvé, l'enfoiré! Oh putain, je suis dégoûté! C'est chaud! Ouais. Pourquoi je peux pas me battre? C'est trop dommage. Il a refermé la porte derrière lui en plus. Attendez. C'est pas fini. Je peux peut-être encore m'en sortir. Bah, j'y crois moyen, mais où est la. Ah. Bon, on va recommencer. C'est pas la première fois que dans le Outlast, je suis obligé de recommencer.
certains passages à plusieurs reprises. Oh la vache! Donc, l'idée de se cacher sous lit est très bonne. Oh là 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 là. Ah, ça me rappelle tellement le chasseur dans Capture Dead Forms. Avec dans la moelle. Je vais quand même aller là parce que j'ai l'impression que j'ai raté quelque chose. J'ai l'impression qu'on pouvait interagir avec ces planches. Non, même pas. C'est une bêtise. C'est vraiment une cachette, ça. J'ai un doute, hein. Des ailes et des machins. Ah là 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 là, purée, je vais en prendre plein la figure. Allez, ouvre-moi cette porte. Allez, cours. D'accord, j'ai compris. Faudrait que j'arrive à passer. Mais là, c'est mort. Le temps que je pousse ça, ils vont me tuer 20 fois. Ils vont me tuer 20 fois. Ils vont me tuer 20 fois. Allez, casse-toi. Je suis pas mort. Je peux continuer. Je peux continuer. Je peux continuer. Allez, allez. Allez, non, allez, cours. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, tu peux le faire. Je sais pas où je suis. Ma femme. Viens vite. Faut que je t'emmène. C'est pas elle? Allez, dépêche-toi d'enregistrer ça, ils sont derrière moi. Mais c'est pas vrai, ça prend trois plombes. Ça prend trois plombes. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant que je suis là? Est-ce qu'ils m'ont... se cacher. Je veux bien me cacher, mais là j'aimerais trouver la solution avant. Est-ce que je peux pousser ça? Oui. Allez. Je m'excuse, hein, je panique terriblement, mais... Non, c'était pas ma femme apparemment. Je vais me soigner. Je profite de ce moment de calme. Je pense qu'ils sont derrière moi. C'est quoi ces conneries? Ouais, effectivement. Comment je fais pour traverser là? Oh, putain. Ah oui, voilà. Ah merde. Bah, on a un point commun, moi et le héros du jeu, c'est qu'on est aussi grossier l'un que l'autre. Allez, vas-y. Traverse-moi cette corniche. Attendez. Pile. Je reviens pour la pile. Allez, traverse, c'est parti. Une pile par terre, merci, je l'avais vu. T'excuses pas, c'est pour ça qu'on regarde. Ok. Ah ouais, faut pas tomber là. J'avais pas bien compris que c'était des pieux. Là, on a un document. Dieu sait ce que j'ai fait, et il me force à y poser les yeux lorsque je suis faible et j'ai peur. On va jeter un œil un petit peu... La chapelle. Quelqu'un doit savoir où ils ont emmené Lynn. Ok, on va rejoindre la chapelle. Accepte mon suicide, on va regarder ce qui se dit. Rien de particulier, je lirai ça pas plus tard, mais je lirai pas ça en fait. Je préfère avancer, là je me sens pas du tout l'âme de lire ces documents. Vu l'ambiance générale. C'est très sombre là malgré la torche. Comment ça se fait? Ah non, mais j'ai pas la torche justement. Je croyais que j'étais en infrarouge. Là on avance dans quelque chose qui semble être une mine. A priori, retour de la croix de vélo. Ça remonte. Pile. C'est très bien, on fait le plein de piles. On va regarder ce qu'il y a là, on sait jamais. C'est fermé. Alors ce qui est très gênant dans le jeu, mais c'est normal, c'est que toutes les pièces et tous les bâtiments se ressemblent un peu. Alors c'est pas qu'il y ait une redondance
des environnements, un petit peu. C'est un petit peu lourd. Mais c'est surtout qu'on s'y perd. J'ai l'impression de tourner en rond. C'est terrible. Alors, je pense qu'on peut se glisser. Non, on peut pas se glisser là en dessous. Il va falloir que j'emprunte la porte qui est là. J'espère que vous allez bien, vous. Il est dans la maison ! Oui, et alors ? Non, ça recommence. Ils vont ouvrir la porte, là, c'est sûr. Je vais regrimper. Il faut pas que je perde de temps. Ouais, je suis à l'étage et je vous emmerde. Là. Non, pas là. Rampe. Et maintenant, tu fais quoi? Tu sautes. Ah, et je vais où? Oui, je suis dans le fond, oui, et alors? Ah, ils vont pas me lâcher. Fais chier, cours. Je sais pas où tu vas, mais tu cours. Tu ne t'arrêtes pas. Là. Non, pas là. Oh, bordel. Lâche-moi. Oh, t'es moche. Casse-toi. Ah, lâchez-moi. Que les ours soient brûlés. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Là. Allez, cours. Oh, je suis dessous. Je me soigne. J'estime que je crains peut-être rien là-dessous. Quoi qu'ils me suivent, ils me suivent. Non, si. Putain, c'est chaud. Ça va durer longtemps, cette histoire, là. Ouais, je suis un sale chien et je vous emmerde. Oh non, ils y vont à coup de pioche. Dépêche-toi. À coup de fourche. Allez, saute. Oh. Et maintenant, je fais quoi? J'ouvre là. Allez, oui. Ah, putain, couche-toi. Vas-y, fonce. Enfonce-toi. Casse-toi. Je sais pas où aller. Non, faut que je me casse. Je suis en panique, je vous jure, je suis pas bien. Ce jeu me met mal, hein. Terriblement. Là. Allez, entre. Oui. Est-ce que je peux refermer ça? C'est refermé. Faut que je me soigne. J'en peux plus, là. Je suis vraiment dans un sale état. Je vous jure, ça me stresse horrible. Oh, qu'est-ce que j'en ai marre de devoir rusher comme ça. Petite pause. Ah, je le vis trop intensément, je vous jure, c'est chaud. Petite pause. Merci, je m'en suis bien sorti. Je sais pas, j'ai fait de mon mieux, j'ai improvisé. Ghost Rider qui dit saut épique, je suis d'accord. T'arrives encore à courir avec 30 coups de machette, sans compter que je me suis certainement pris un petit coup de foufourche au passage. Oh la vache, ce jeu de dingue. Oh Megan, merci. Respire, ne nous fais pas une crise cardiaque, vous inquiétez pas. Je pense qu'il m'en faut beaucoup pour avoir une crise cardiaque. Enfin, j'espère. Ça se trouve, en jouant à ce genre de jeu, j'entretiens mon cœur. Il faudrait faire une étude là-dessus. Il faudrait que je me mette des électrodes. Je vais par là. Je ne sais pas si c'est le bon chemin. J'ai un doute. Ah, c'est une porte. Alors, on a de la mouche dans la pièce, on a aussi une croix plantée en plein milieu. Oh. Un cadavre, une nouvelle fois. C'est pas le premier. A priori, ce sera pas le dernier. On va attendre que l'enregistrement soit terminé. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Est-ce que je perds la tête? Il y a eu un bruit là.
C'est une école, regardez, ce sont des bureaux, des pupitres, et donc la jeune femme qui est là-bas, son cadavre, enfin le cadavre, ça doit être... Ah, gros bébé, nous avons ton copain, juste là, je pense que, gros bébé, on va l'appeler Gustave, le cadavre, c'est donc la maîtresse d'école, a priori. Pourquoi je rentre, ça sert à rien. Don't be afraid. You're going to heaven. N'ayez pas peur, vous irez au ciel. Pauvre femme. Oh. Merci Narlan. Tu m'as fait très peur. On va donc devoir quitter cette école. Alors, moi, tant que je retombe pas sur Martha ou sur les autres tarés là avec leurs couteaux, j'ai bien peur que ce soit entre guillemets obligatoire. Ça va forcément se reproduire. Par où je pars? Je vais recharger. Je peux pas ouvrir ces fenêtres. C'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin, ça. C'est fou. Quel intérêt de se rendre dans cette école si je ne peux pas en sortir? Ah, par là, j'ai trouvé. Je me tais, hein. J'essaye de vivre le truc de manière posée et calme. J'essaye de garder un peu la tête sur les épaules parce que je suis parti tellement loin tout à l'heure. Objectif, les enfants ne doivent pas craindre leur devoir mais le célébrer comme un accès garanti au paradis. Souvenez-vous, il n'y a pas de douleur au paradis. Papa vous a donné la vie et votre vie lui appartient. Dieu vous a donné la vie et votre vie lui appartient. Vous pouvez être l'ennemi et ne pas le savoir. Votre peur est un outil de l'ennemi. Dieu sait tout. Engagez-vous, étudiez. La baleine a empêché Jonas, tatata. Projet dessiné des anges. Qui peut être l'ennemi? Ok. C'est une école tout à fait étrange. École catholique. On va quitter l'endroit en passant par là, je pense. Allez. Non, je voulais pas descendre aussi vite. Ah, j'ai glissé. J'étais très bien sur mon toit, là. J'avais envie de prendre le temps. Ça sent la course-poursuite. À nouveau. J'entends chanter là, juste à ma droite. Mauvaise nouvelle, j'ai l'impression de reconnaître la voix de Martha. Je peux atteindre cet endroit. Putain de clôture. Je pourrais la grimper. Il me suffit de monter sur quelque chose. Encore une dingo. Alors, c'est peut-être la même. Donc il faut que je grimpe sur quelque chose pour passer cette clôture. Est-ce que je peux pousser ce chariot? Exactement. Exactement ça. Pourquoi je devrais regarder derrière moi? Prie avec moi, qui a dit ça? Est-ce que ça veut dire que je suis pas seul? Ah, oh, je suis pas bien là. Hein. C'est quoi l'objectif déjà? Aller à la chapelle. La chapelle devrait pas être loin. C'est ça? C'est où? Ah, oh, j'en peux plus, je vous jure. On va pas tarder d'arrêter là. Je vous jure, je suis trop à fond. Ah, bah non, en plus, je lis un message de Game Taclic qui me dit « Prépare bien ton cœur. » Ok. De l'eau déjà. Ouh, allez.
Je dois aller où? On va aller voir par là déjà. Je sais pas ce qui va m'arriver, je vous jure, mais là je sens vraiment que ça va être. Elle s'est tournée vers moi là, on est d'accord. Putain, l'ampoule là-haut qui a pété. Elle me suit, hein. Pourquoi elle me suit comme ça? Là. Je sais pas ce qui va se passer, mais je le sens très très mal. Puis en plus j'ai pas pu fouiller et j'ai peut-être raté des choses, des piles, des documents, j'en sais rien. Peu importe, j'ai avancé, c'est ça l'essentiel. Moi mon but c'est d'atteindre la chapelle. On va tout faire pour. Ça s'ouvre pas. Je pense pas qu'elle aura réussi à me suivre. On va aller par là. Je sais pas du tout où je me trouve. Non mais non, c'est pas possible. Oh bordel. Je vais remplacer ma pile. Ou alors elles se multiplient, elles sont plusieurs. T'en as rien à foutre, tu cours. Au bout d'un moment, ça suffit. Je peux pas passer ça? Là. J'ai l'impression de tourner en rond. Tourne en rond. Je vais pousser ça, ça doit pouvoir servir à quelque chose. Ah ah. Oh la salope. C'est raté. Non, je peux pas ouvrir ça. Tu vas mourir. Ah, oh la chienne. Pardon, je suis vilain, j'ai des gros mots. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai été extrêmement vulgaire. On va essayer de faire le tour. Ah, elle est derrière. Je sais pas où elle est, m'en fous. Je vais pas le savoir. Cours. T'arrêtes pas, t'es blessé, je sais. T'es essoufflé, mais tu dois pas t'arrêter. Là. Ah, je peux plus avancer plus vite. Je suis trop fatigué. Je suis trop blessé. Là. Le passage. C'est bien. Et là, il faut que je vais me calmer. Je vais me mettre dans un coin. Avec un peu de chance. Je peux plus me soigner. J'ai plus de bandage. Je peux pas me soigner. Je cours plus vite sans caméra. Ok. Ouais, mais sans caméra, je vois moins bien. Ah ! Non, mais non, c'est pas vrai ! Bordel, c'est fou. Elle était où cette charrette? J'étais en train de pousser une charrette, pas par là. Là c'est très dangereux ce que je fais. Bon, je pense pas pouvoir m'en sortir, hein. Je vous le dis. Je sais que je saigne, il faudrait que je trouve des bandages. Mais où? Je vais essayer de rejoindre la charrette. Et de la pousser le plus vite possible. Allez, tu peux le faire. Jusqu'au... Non, faut la pousser. Allez, tu peux le faire.
Dépêche-toi. C'est bon. Allez, saute. Non, c'est pas assez. Allez, pousse-la encore plus. Allez. Merde. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Si, c'est bon. Oh. J'ai plus de piles. Oh, ça devient glauque là. On a une pendue. Ah, je suis en stress. Et je manque d'air, faut que je pense à respirer en fait de temps en temps. C'est horrible. Je veux de la pile, je veux pas être dans le noir. Ouais, j'ai pas le choix. Il me faut une pile. De quoi me soigner aussi. C'est la chapelle. J'y suis. On va laisser la vidéo se faire. Oh là 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 là. Ah, je vous jure, c'est chaud. Marie, priez pour moi. Vous saignez, vous avez besoin d'aide. Exactement, c'est tout à fait ça. Attendez, j'ai pas fini. Pourquoi ça m'a dit je vous saignais? Je vais refermer la porte. Est-ce que je suis à l'abri dans cet endroit? J'en sais rien. Je suis dans le noir. Alors, on a un homme attaché sur une roue qui a l'air de souffrir. Vous saignez, vous avez besoin de bandages. Je sais. Je suis au courant. Si vous en avez pour moi, je prends. Mais là, j'en ai pas trouvé. J'ai pas eu tellement le temps de chercher, en fait. Je suis extrêmement blessé. Je suis vraiment dans un très mauvais état. Non. Qui est là? Morgan? Qui êtes-vous? Je m'appelle Blake. L'étranger. Le père. Je suis le père de personne. J'ai juste... Tuez-moi. Vous devez me tuer. Ah. Bah écoutez, si vous insistez, ça me ferait du bien de tuer quelqu'un tellement je suis sous pression. Il lui fera du mal et je dirai. Courage Gus, tu peux savoir à quel point je ris avec tes réflexions là. Magique, merci Aol. Au loin. Merci beaucoup pour ton don. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux pas te tuer, je suis désolé, tu souffriras. Ce que je cherche, c'est une. Vous sauriez pas où je peux me soigner, s'il vous plaît? T'as un magnifique fauteuil. Ah, un sac. Est-ce qu'on peut fouiller ce sac? Non, ça aurait été trop bien. Sortir par là. Merci beaucoup de t'être abonné. Merci pour tes lives. Ukigo, merci beaucoup. Petite confession de 16h06. Y'a pas... Petite pile. Petite pile dans le confessionnal. On peut pas se cacher. J'ai raté un truc dans cet endroit. Attendez. Si je brûle un cierge, est-ce qu'on me redonne un peu de vie? J'aurais bien tiré sur ce cordon, mais apparemment c'était... Ça n'ouvrirait rien. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ah là, il y a une porte. Peut-être que... Exact. Non, elle donne de l'autre côté, tout simplement. Ah, attendez. Se cacher dans le confessionnal. Ok. Oh, ils arrivent. J'arrive trop tard. Allez, bah cache-toi. Parmi les galeux, on se croirait dans les visiteurs. Oh mon Dieu!
Réponds à ton compagnon, ma chère. Il ne te voit pas. Faites-la répondre. C'est moi, Josia. S'il te plaît, dis-leur que je n'ai pas. Ah, le gros là qui est juste là devant. Enfin, le gros. Le gars. C'est pas celui. C'est pas celui qui est en photo. Moi aussi, la femme étrangère. Enfin, qui est en tableau un peu partout dans les maisons. En son ventre. Mais va laisser ces apostats ont volé les. Alors, ça, YouTube, il va accepter. Le père du démon s'est échappé. Son immonde récolte sera moissonnée avant l'aube. Nous disposons seulement de quelques heures pour la retrouver et la tuer. Et ainsi, je crois qu'on va assister à quelque chose d'horrible, les amis. Ne regardez où pas. Où va la-t-il emmener? Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pour toi, Josia. Fais-tu-la crier? Non. Ils sont en train de la... Non. Oh là 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 là. Le ventre qui abrite l'enquêtrice. Non. Non. Je crois qu'il cherche mon épouse. Ah, c'est bien lui. Dites à Josia d'arrêter. Dieu n'entend pas les putains pécheresses. Où est la femme? Où va la tirer? Arrêtez! Arrêtez! Je vais parler! Je vais parler! Oh mon Dieu! Je suis désolé, là. Je suis désolé. Où est la femme? Les mines! Dans la montagne! Va l'emmener dans les mines! Vous ne la trouverez jamais! Qu'il te dans les mines! Avant la naissance. Prochain objectif, les mines, dans la montagne! Ah, ils vont nous l'éclater en deux, la dame! Mon meurt en criant! Ton dieu dans toute son arrogance! Oh! Oh! Je crois qu'elle est en train de casser là! Alors, ouais, toutes les articulations ont lâché, regardez. Toutes les articulations ont lâché. Au niveau des... Je suis désolé de ce que je vous montre. Au niveau des coudes, au niveau des épaules, au niveau des genoux. Merde! Ces fils de pute! Les mines! Où sont ces putains de mines? Et ça, YouTube va l'accepter, je dis ça en passant. Enfin bref. Où sont ces putains de mines? Écoutez, c'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine. Pauvre femme. C'est horrible. Eh ben, on va faire de beaux rêves, je crois, avec ça. Par où je pars? Alors, dans l'immédiat, essayons de... Moi, il me faut absolument des piles, un max de piles. Oh, je connais l'anatomie, hein, mais je... C'est mon côté cinéaste. Je voulais absolument filmer ça. Faut que je trouve des piles et des bandages. Faut absolument que je me bande les plaies, que je bande mes plaies. Ils sont partis par où? Le chemin qui mène à la mine est quelque part. Trouver un chemin vers la mine. Ah bah non, merde! Ah bah non! Oh non, ça recommence! Oh! Ça recommence, c'était de courte durée. Donc là, il faut que je rush. Ah bah voilà, au moins je suis soigné. Et ouvre. Oui oui, j'étais dans la chapelle. Le chemin, je cherche le chemin. Je sais pas où il peut être. Par là. Allez, je vais par là.
Hop. Je sais pas ce que je fais. Allez, cours, fais pas de conneries. Cours, cours, cours. Non, là, c'est une bêtise. Ça, c'est pas bon. Pardon, excuse-moi. Je fais que passer. J'essaie de trouver mon chemin. Allez, cours. Mais cours. Merde. Ouais, je... Allez, allez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me retient. Ah, il me rattrape. Ah, mais clairement. Allez. Je suis en train de remonter vers la chapelle, là, je crois. J'ai fait demi-tour. Là, le mieux serait que je me laisse mourir. On va faire ça. Le mieux, c'est que je me laisse mourir pour repartir full life. Là, c'est où le pont? Je sais plus. Je sais plus. Ah, mais quel con! C'est plus haut. Non, on me laisse tranquille! C'est là. Non, là, je remonte. Vers le pont, je sais pas où je dois aller. Fais chier! Eh oui, ça m'emmène par là insidieusement, mais. Je vois pas où je dois aller. Je vois pas du tout. Je vois pas. Le vieux réflexe de Minecraft, toujours fermer les portes derrière soi. Tu dois ouvrir la porte, mais si à gauche, c'est à mourir de rire. Bah écoutez, moi je trouve pas. Là, je m'amuse pas énormément là. Bah si, je m'amuse, mais un peu dans la douleur. À gauche. Je sais pas ça. Parler d'une porte à gauche, je vois pas de quoi vous parler. Là, c'est juste pas possible. Jusque là, c'est sûr, c'est là. Ça doit être à droite, c'est fou. Je vois pas du tout où je dois aller. Mais vraiment pas. Je sais pas pourquoi. Je me fais tuer par ces assassins. La porte, mais non, mais elle est pas, on peut pas l'ouvrir cette porte. Si on peut l'ouvrir, je suis con. Ok, je suis très con. En fait, dans l'empressement, je m'excuse. Dans l'empressement, on va le refaire. Dans l'empressement, j'ai vu une palissade fermée avec des planches et pas une porte. Pas une porte avec laquelle je pouvais interagir. Donc on va le refaire. Je sais où je dois aller. Il suffit que je cours. Ce fils de pute, il fait glissant une merde de cheveux. Je sais pas trop ce qu'il raconte. Histoire de merde. Allez, j'interagis. Allez. Tout ça, interagis. Ah non, faut que je le maintienne. Quand j'interagis, il faut que je maintienne X. Allez, 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 c'est bon. Est-ce que je peux refermer? Non. Alors maintenant. Je vais où? Là. Là. Porte. Referme, c'est toujours ça de pris. Cours. Cours, 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 cours. Oui, j'escalade le château d'eau. Mais hey, il va tout dire lui. Ouf, je suis laissé tomber. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait que je fasse. Non, c'était pas ce qu'il fallait que je fasse. Ok, c'est pas grave. Il aurait fallu que je réussisse un saut. Bon, écoutez les gars, faites votre travail. Fais chier. On va le refaire. Faut absolument que je passe ça. À force, je vais finir par y arriver. Interagir. Allez, pousse, 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 ça suffit. Ça suffit pas! Ça suffit! Putain, ils sont juste là! Oh. D'où il sort, lui?
sort, il était devant moi. Ou alors il est arrivé derrière, enfin j'ai rien compris. C'est pas grave. J'ai perdu du temps, je sais pas trop où. Pourtant j'ai rushé, mais plus que tout à l'heure. Cours. Histoire de la merde de chien. Allez, tu interagis. Interagis, j'ai dit. Pousse. Ah, c'est pas le moment. Merci. Là, j'allume. J'ouvre la porte. Je la referme. Je grimpe. En haut. Le château d'eau, il doit y avoir un saut en haut. C'est pas possible. Je dois aller où? Là. Non, je l'ai raté, c'est pas vrai. On va le retenter. Oh. J'ai raté le saut. Ah, ça doit être ça, c'est pas possible. On va le connaître par cœur, hein, le dialogue notamment. La séquence qu'on aura le plus rejouée du jeu. Elle est maintenant, mais c'est pas grave. Il faut que j'y arrive. Je fais tout dans le noir. Interaction, on a dit. Allez, pousse-moi cette porte. C'est bon. Ils sont juste derrière, vraiment. Alors, j'aimerais pouvoir avoir le temps d'étudier mon saut là-haut. Yes, c'est bon. C'est passé. C'est pas fini. Redresse-toi. Oh. Je pense que là, je suis tranquille. Écoutez, je crois... Une pile. Alors, je sais pas où je dois me rendre pour le moment. Maintenant, pour le moment, j'arrive plus à parler. Je sais pas où je dois aller. Peut-être là en face, sauter là au-dessus. Est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce que j'attends? Je crois qu'on va garder ça pour la fois, pour jeudi, dans deux jours. Si vous voulez bien, on va rester là pour ce soir. Attendez, on a un gars là-bas. On va quand même regarder ce qu'il est en train de faire. Alors, il est armé de sa hachette et il est au camp du feu, tout simplement. Et là, devant nous, on a Marie. Pour moi, là, dans l'immédiat, il faut que je passe au-dessus de cette... au-dessus de cette petite palissade pour pouvoir continuer. Le problème, c'est que, à mon avis, la chute va me faire mal et que j'aurai peut-être pas de quoi me soigner. J'aurais bien aimé avoir des bandages. On va garder ça pour la semaine prochaine. Si vous voulez bien, on va en rester là pour ce soir. Enfin, pas pour la semaine prochaine, pardon. Pour jeudi soir. 21h, même heure, même endroit. Oh ! Ces courses-poursuites sont complètement folles. Attends, Gus, c'est une longue séquence ? Je pense pouvoir reprendre. On va vérifier. J'espère pouvoir reprendre de là où j'en étais, c'est-à-dire du haut du château d'eau. Non ! Dégoûté. Ok, bon, on va la refaire. C'est pas grave. Ah merde. Oui, quelqu'un vient de me dire dans le chat qu'en fait c'était une longue séquence et forcément le fait d'avoir sauvegardé avant la fin fait que je dois tout rejouer. Ah dommage. Bon c'est pas grave, on va le refaire. J'y suis arrivé tout à l'heure, je devrais pouvoir y arriver à nouveau. Allez ouvre-moi ça. On est bon. Allez cours. Non, je me referme avec. Ouvre ça. Bon, c'est pas grave. On laisse ouvert. C'est bon, je suis passé. Redresse-toi. Donc, faut que je continue. On va prendre la pile. On continue, on verra bien. Je suis dans les fourrés. On a un gars juste là. On va y aller tranquillement. Et je vois pas où je dois me rendre.
Toi, elle est où? J'en sais rien du tout. Attention au cactus. Je vais par là, mais j'ai aucune idée de l'endroit où je dois m'en. Ah là. Il y a quelqu'un dans la maison. Là, t'as une sauvegarde, tu peux t'arrêter. Bah écoutez, oui, je crois que c'est ce qu'on va faire. On va se cacher sous un lit. Voilà. Et on va s'arrêter. Vous êtes sûr pour la sauvegarde? Ok. Vous êtes plusieurs à me le dire, donc c'est que, a priori, c'est bon. Voilà. Donc on se dit à jeudi soir. 21h pour la suite. Exceptionnel ce jeu, très très dynamique en fait, extrêmement dynamique, extrêmement stressant, un vaste couloir de l'horreur quoi, le train fantôme absolu, pas à dire, c'est un très très bon Outlast. Je vous fais des gros bisous, effectivement, je vous souhaite sur ce une très très bonne nuit, merci vraiment pour votre soutien, j'ai lu beaucoup de messages de soutien sur Facebook suite à cette histoire de YouTube et de cet épisode avec la limitation d'âge et donc qui maintenant n'est plus disponible sur YouTube. Merci pour votre soutien, merci pour tous ces dons incroyables et les messages incroyables que vous avez postés ce soir. Ceux que vous avez mis sur le chat aussi ce soir que j'ai lu en passant. Je vous embrasse vraiment très très fort. Merci à Sorcy qui a assuré la modération tout seul, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de modération. Vous êtes vraiment exceptionnels tous. Parce que communauté en or quoi, je vous adore, à très bientôt et très bonne nuit à tous, ciao, bonne nuit. Voilà, je quitte le jeu. Allez, ciao tout le monde.